With a diamond in the snatch, couldn't tempt me to fall. I'm a ball till the bulls come home. Paying bills with the skills on the microphone. Blow minds, hella tip out the nine. When I ride bad dad, motherfucker, when I blow up the block. BA, believing I'ma go for mine. Till I'm messed up, gotta get my cash up. Rain to shine. Maintenant dans l'un des plus beaux hôtels du monde, The One and Only, The Palm. Il est construit jusqu'au bout de la Palme, complètement dans un endroit idyllique, secret, exclusif, le petit boutique hôtel dont on rêverait pour des prochaines vacances. Et nous allons maintenant interviewer le General Manager, Monsieur Olivier Louis. Juliette, ça va ? Comment ça va, bien. Olivier ? Bienvenue. Je suis déjà très excitée à l'idée de visiter cet hôtel. Tout nouveau, hein? Mais tout c'est nouveau. C'est le dernier né. Mais c'est pour ça. Alors, vous l'avez bien planqué au bout de la Palme en vous disant comme ça, au moins, on sera très exclusif. Purement boutique. Et en effet, il faut le. Comme les belles choses, il faut. Il faut le trouver. L'idée, c'est une touche arabesque. C'est aujourd'hui, demain, après-demain, on sait qu'on est. À Dubaï, on sait qu'on est dans le Moyen-Orient. Les artistes comme vous vont nous influencer sur les couleurs, peut-être certaines touches, mais l'architecture, la structure restera propre à cet hôtel. Ouais, je n'ai rien à rajouter, Olivier. Hein. Voilà la partie intérieure qui reste les langes, tout à fait agréable. Vous voyez, ça, ce sont ce qu'on appelle les petits majalis, les Arabes adorent. Les petits salons. Les petits salons, les Arabes adorent se mettre en petit groupe d'hommes ou de femmes. Mais c'est un petit peu le reflet de le soir, venir, on est là, 4-5 dames avec un thé, avec un café, on lit, on est au calme, on n'est pas perturbé. Petite réunion entre amis. Voilà. Vous voyez là, la piscine donne merveilleusement sur la plage et la baie de Palm Island. Elle fait plus de 800 mètres carrés pour seulement 90 clés. Vous avez des petits gabanas de chaque côté, vous avez des beds, les gens s'y reposent, on entend les oiseaux. On a du mal à imaginer que vous regardez juste là-bas, vous êtes à la ville, oui. le Manhattan de Dubaï, est juste là, vous voyez. C'est vrai que c'est toute la différence aussi à Dubaï, c'est toujours ces deux ces contrastes incroyables entre la paix et Skyline, tradition, la ville. Innovation. Exactement. C'est ça qui fait que le charme de Dubaï, je pense. En plus de ça, je ne me rendais pas forcément compte en arrivant de New York, mais j'ai réalisé une fois ici qu'à Paris, il y a seulement 2 heures de décalage oui. horaire et 6 heures de vol. Donc c'est quand même une destination très agréable. Vous savez, nous avons un tiers de la population mondiale qui est à moins de 6 heures de Dubaï. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus, vous qui êtes là depuis tant d'années, qui vous êtes occupé du groupe, de tous les hôtels du groupe One and Only. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de plus de Dubaï? Il manque quoi, selon vous? Mais vous savez, il y en a qui disent... Oui, alors il y en a qui disent, on aimerait que ça s'arrête. Mais le succès de Dubaï, c'est ce dynamisme de cette famille royale qui veut, et qui, je pense, entièrement raison, qui veut se dire on a aussi un droit à cet espace. Et moi, je vais vous dire une chose, plus le Moyen-Orient devient stable économiquement, plus il sera stable politiquement. Qu'est-ce qu'on a derrière cette porte? Il y a toujours une petite porte que l'on pousse, excusez-moi. Et on est, voilà, un autre havre de paix. Petite piscine privée. Voilà, les gens. Les gens qui veulent le calme plat, les gens qui font qui veulent faire quelques longueurs le matin sans être dérangés par une famille, voilà. C'est ça le One and Only, c'est ça l'hôtel, si vous... Pardon. J'habite New York. Manhattan. Live in New York,
Olivier. Bienvenue. Donc là, je me sens complètement chez moi. Welcome back. Welcome back. Welcome back, c'est exactement ça. This is our Manhattan, c'est notre Manhattan, vous voyez. Mais le vôtre était un petit peu inaccessible et on l'a construit en 10 ans. En 10 ans. Ah, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a 15 ans, il n'y avait rien. Écoutez, en 2002-2003, il n'y avait que des dunes. C'est des dingue. Chameaux sauvages. Et aujourd'hui, voilà, regardez, venez à notre balustrade. Voilà. Vous pouvez toucher, ce sont des vrais. Voilà. C'est vrai que c'est un énorme avantage de voir l'une des dernières villes au monde qui est en train de se construire sous nos yeux, enfin sous les vôtres. Vous savez, il y a 10 ans, 15 ans de cela, on disait qu'il y avait 40% de tout l'inventaire des grues au monde. Le Palm, c'est donc un bâtiment principal où il y a 30 chambres et suites. Et tout notre hôtel ici est divisé en 7 petites résidences. D'accord. Et chacune ont entre 6, 7 ou 8 chambres. Donc c'est une petite maison, vous allez rentrer, avec 3-4 suites au rez-de-chaussée, 3-4 suites à l'étage, c'est tout. Alors vous voyez, j'ai presque honte, ce n'est plus un hôtel, c'est une maison. C'est vrai que... Bienvenue. Bienvenue chez vous, Olivier. Bienvenue à la maison, bienvenue à la maison. Waouh! Et voir, vous avez encore une fois, derrière chaque porte, il y a, regardez, je mets là. La salle de bain est aussi grande que la chambre. Mais vous savez, c'est là de nos jours où les gens veulent surtout passer finalement en vacances, le plus de temps. Mais bien sûr, se relaxer, loisir, tout ce qu'on n'a pas le temps cour, de une faire. Une cour extérieure, une magnifique baignoire. C'est sublime. La petite piscine privée. Vous allez nous montrer. Celle-ci est dotée d'une piscine privée. D'une piscine privée. Vous descendez après sur la plage et vous êtes chez vous. Eh bien, je me sens déjà chez moi, Olivier. J'ai pas le maillot de bain, donc je vais pas. Mais voilà. C'est ça.